Mesdames et messieurs, nous allons reprendre le travail. C'est un vrai grand plaisir pour moi de pouvoir vraiment saluer des experts académiques qui vont se prononcer sur un sujet de numérisation. À peu près il y a 5 ans, quand nous avons vraiment parlé à peu près de ce même sujet, et c'était notre ministre de l'époque, Laszlo Trocsányi, qui a organisé cela. Normalement, il aurait été notre modérateur, mais il est engagé autrement. Alors, donc, en ce qui me concerne, quand on parle de numérisation en Europe, nous devons également dire qu'il y a toujours une certaine menace, une certaine violation des droits. La dernière fois, il y a à peu près une dizaine d'années, nous avons vraiment développé plus ce volet. À l'époque, on parlait de l'informatique et de la législation, et le focus a été porté sur les droits. Et il y a 5 ans, on a réajusté un petit peu notre cible, et nous ciblons également la société, le citoyen, l'information et les technologies d'information. Là, avec la numérisation, va être le sujet de la conférence. Donc, en fait, maintenant, notre grande question, c'est numérisation et citoyens européens, comment assurer une transition éthique? Eh bien, il est très important alors de voir qu'il y a des focus sur des codes qui ont été vraiment très, très, très complexes. Des comités entiers l'ont discuté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Ça va être un des sujets. Et peut-être, on va voir à quel point ces codes sont ingénieux et quel est l'impact de ces codes sur notre vie en Europe. Mais je n'aimerais pas vraiment m'accaparer de la parole, c'est juste une introduction. Ce que j'aimerais alors dire par tout cela, c'est que dès qu'on va parler de la réglementation de l'intelligence artificielle, en ce qui concerne des approches légales, eh bien, il faut toujours y ajouter l'approche éthique. Et alors, nos panélistes vont également considérer la numérisation sous cette optique-là, éthique. Pendant la matinée, certains de nos intervenants on parlait d'une décennie numérique ouverte pour l'Europe. Eh bien, maintenant, nous allons parler également de cette question du point de vue de la transition éthique. Et avec ceci, j'aimerais donner la parole à András Koltai, le recteur de l'Université nationale de l'administration publique ici à Budapest. Il est un expert de l'expression de liberté technologique et il va parler de la liberté et la censure, le besoin de contrôle de l'expression, justement, et la parole est à vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour l'invitation et pour cette opportunité de pouvoir m'exprimer devant vous à cet événement prestigieux. Je vais parler des plateformes numériques en ligne et des solutions de réglementation. Par rapport à ces plateformes. Quand on parle des plateformes online, il s'agit de toutes sortes de plateformes en ligne par lesquelles les gens peuvent communiquer les uns avec les autres, que ce sont des réseaux sociaux, des engins de recherche,
des magasins en ligne, des fournisseurs de blogs, etc. Vous savez bien que toutes ces plateformes appartiennent aux sphères publiques et parfois, ils sont gérés et réglementés beaucoup plus efficacement que des gouvernements ou l'Union européenne même. Ils sont des acteurs, des agents privés, donc ils ne sont pas sujets à des règlements d'expression. Enfin, ils sont sujets au droit de l'expression libre. C'est pour cette raison que ce sont des États qui doivent fournir les garanties à l'expression à l'expression libre. Et plus tard, je vais mentionner le terme de réglementation privée, justement qu'il y a des standards qu'il faut respecter, prendre en considération, mais de toute façon, ces réglementations sont tout à fait différentes aux réglementations que nous connaissons en tant que juristes. Donc, parmi ces l'écosystème des plateformes qui sont sujets aux réglementations privées, donc c'est la loi privée qui est pertinente dans leur cas. Évidemment, on peut diviser ou classifier en code, standard, etc. Ils ont tous une force qui leur enfin exécutoire et qui est obligatoire et si quelqu'un veut s'exprimer publiquement, elle ou il veut s'exprimer, déclarer, se prononcer dans le sphère publique, ce sont des plateformes justement qui peuvent donner contexte à une expression pareille. Dans un sens constitutionnel, c'est pas dans le sens constitutionnel, mais j'aimerais plutôt revenir au principe de l'expression libre de l'Union européenne. Je pense que mes recherches des années précédentes ont établi à ce point que tous les pays européens, tous les systèmes nationaux ont principes et des réglementations plus ou moins similaires à cet égard. Donc, je pense que la doctrine sur la libre expression de l'Union européenne peut servir comme point de référence. La base de l'expression libre est de protéger ce droit à la liberté d'expression et aussi elle se réfère aux affaires publiques. Donc ça, c'est la partie la plus importante de ce droit. Donc si on influence des sujets publics, c'est justement une pierre angulaire des démocraties modernes, justement, d'avoir ce recours, de pouvoir s'exprimer et d'influencer dans le domaine public les opinions par une expression libre de son opinion. Donc, la liberté de s'exprimer doit respecter tout de même la dignité humaine. Donc, je pense que c'est inclus dans les différentes législations, réglementations sur l'expression, comme sur le discours haineux, la protection des droits humains, etc. Donc, cela présente comme point de référence justement quand on parle de l'expression libre. Je peux parler de la doctrine européenne de la liberté de la presse. C'est un sujet un peu plus complexe, évidemment. Le point le plus important quand il s'agit de la liberté de la presse, la presse a la liberté de servir la démocratie, la presse est libre parce qu'ils ont des obligations démocratiques, la Convention européenne
des droits de la liberté, sur la liberté, article 10 dit que qu'on a le droit justement de une protection est garantie à la personne qui pratique la liberté d'expression, liberté de la presse. Donc, et à part ces obligations démocratiques, dans le sens juridique, il ne s'agit pas d'une obligation juridique ou qui sont reconnues juridiquement, c'est une attente morale plutôt. Donc, cette convention sur les droits humains et cette section de cette convention s'interprète plutôt dans un sens moral et pas juridique. Sinon, normalement, la presse peut dire ce qu'elle veut en informant le public. Ils ont le choix de renseigner sur des événements sportifs ou bien sur d'autres sujets divers. Il y a une attente des exigences éthiques. Les législations nationales parlent des obligations de la presse. Ils espèrent vraiment que dans le marché, il existera des produits de presse ou des éléments de presse qui se comporteraient d'une manière responsable de cet égard. C'est vraiment le rôle démocratique que la presse joue, ce qui est important. La situation est un peu différente dans le cas des de broadcasting, des émissions, des télédiffusions ou radiodiffusions. Ils sont réglementés un peu plus assidûment, enfin plus strictement, mais ils n'ont pas d'obligation non plus juridique. C'est plutôt des aspects éthiques et moraux qui affectent leurs obligations. Sans des obligations et des responsabilités, la presse a des privilèges, des droits supplémentaires qui ne s'appliquent pas que pour la presse, pas pour d'autres, n'importe quelle personne, comme la protection de l'anonymité des sources, la protection des recherches, des perquisitions et saisies abusives, etc. Il y a un tas de droits qui protègent les membres de la presse. Donc, s'il s'agit d'un problématique, un sujet public, ils ont droit de se réjouir de ces droits. Ils servent le public, ils servent la démocratie. C'est une décision éthique de la part de la presse. Quel est le rôle de la réglementation d'État ou par l'État concernant les obligations de l'État? Ils doivent établir les standards de discours. Et justement, en ce qui concerne la dignité humaine, c'est quelque chose qui a commencé il y a 30 ans après la chute du rideau en fer. Et c'était justement quand nous avons établi ces principes comme principe fondamental. Et le droit à la supervision juridique, etc., et d'autres procédures sont garanties également. Et pourquoi est-ce que ces questions sont tellement importantes à notre sujet? D'un côté, quand on parle de la liberté d'expression, liberté de la presse, ce sont des points importants quand on veut réglementer justement ces plateformes en ligne.
De mon point de vue personnel, si on veut répondre à ces questions affirmativement, donc si on pense que nous avons le droit de réglementer ces plateformes, je pense que en même temps, ça devrait être oui, mais je pense que les propriétaires de ces plateformes ne seront pas tout à fait, pas forcément d'accord avec cet avis. Le prochain diapo montre la réglementation des réseaux sociaux. La problématique, premièrement, est que si nous permettons à ces plateformes de se décider sur le droit de libre expression, on va se trouver dans une situation difficile. Donc, même s'ils essaient de... Enfin, ils ont leur démarche, leur code de standards de communauté, justement, pour contrôler le discours haineux et des contenus haineux. En même temps, je ne sais pas si ce sont conformes avec les, exigences juridiques de réglementation. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé au... président des États-Unis Donald Trump, quand une plateforme a défendu de poster sur la plateforme. Et, donc, dans la sphère publique en ligne, je pense que cela posera de plus en plus de défis, de questions à résoudre pour nos juristes qui prennent au sérieux cette question de réglementation constitutionnelle. Donc, évidemment, je pense que dans le cas des plateformes en ligne, on ne parle pas des responsabilités et des obligations, mais en théorie, on peut soulever le problématique, notamment, peut-être pas dans un sens juridique, mais un sens éthique, peut-être il pourrait être obligé ou forcé de reconnaître certaines obligations et responsabilités, notamment dans le cas de la presse et des médias. On peut soulever la question, peut-être il pourrait être obligé de couvrir certains thèmes en matière de, enfin, des sujets publics ou de fournir des services publics. Ce sont tous, ils font tous partie de cette réglementation sur la presse et les médias, mais qui ne sont pas présents dans les réglementations des plateformes online, donc en ligne. Si on arrive à, enfin, notre objectif est de maintenir l'équilibre entre des utilisateurs, enfin de ces individus et de ces éléments collectifs, enfin de ces des différents parties prenantes, donc l'équilibre est la pensée clé. Donc s'il y a des journaux qui représentent le point de vue d'un côté, de l'un côté, et après on a accès à des journaux qui représentent le point de vue de l'autre, ça c'est déjà un bon équilibre. Donc en ce qui concerne l'intelligence artificielle et les plateformes et des algorithmes utilisés par ces plateformes qui priorisent le contenu des utilisateurs, c'est-à-dire qui sont capables de promouvoir d'un peu d'attirer l'attention de certains contenus et de cacher certains d'autres contenus devant les yeux, enfin devant l'utilisateur. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre pour pouvoir, enfin, ce qui s'est passé ce janvier en Australie, par exemple, que certains thèmes ont obtenu moins d'importance due à ces algorithmes. Donc, cet écosystème en ligne est quelque chose qui se développe d'une manière plus organique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment
trouver la bonne solution. Je pense que nous pouvons réfléchir à des différentes réglementations possibles. La réponse à ces questions sera complexe et probablement il y aura des approches réglementaires différentes qui vont pouvoir interagir et se compléter. Une réponse possible, c'est qu'on n'a pas besoin de réglementation, quoi que ce soit. D'autres, cette réponse remonte jusqu'aux années 90, où la position, c'était que l'Internet doit rester comme le Wild West, donc comme l'Occident sauvage, donc au début du 19e siècle, sans réglementation centrale, comme un jungle. Je pense que cette approche... c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec autant de grandes plateformes non réglementées. Donc, peut-être on devrait introduire des règles similaires à la radiodiffusion, télédiffusion, avec un peu plus de contrôle, plus de limites, plus de contraintes. Ce que les autorités de médias font déjà dans le cadre des télédiffusions, cela ne va pas forcément marcher dans le cas des plateformes en ligne. Donc, je pense que donc ça, c'est la deuxième option. Troisième option qui existe déjà dans la réglementation des Unions européennes et qui est la co-régulation. Cela se fait déjà. Des États membres et au niveau européen aussi, d'établir un système de risque, donc réglementation, de co-réglementation qui est en vigueur déjà dans plusieurs de nos pays membres, qui a ses difficultés, ce système à lui. Ensuite, il y a auto-réglementation, mais en même temps, il y a un manque de confiance. Normalement, ils essayent de résoudre les problèmes d'une approche intérieure. Donc, par exemple, comme c'était le cas de Facebook. Mais je pense que c'est un outil de communication et n'offre pas de solution réelle. Donc, la réglementation privée pourrait être une réalité dans l'avenir, mais sous la constitution actuelle et convention de l'expression libre, je ne vois pas que ça peut efficacement fonctionner. Donc, mais il y a d'autres problèmes comme la loi de travail, etc. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'harmonisation avec d'autres législations. Et enfin, il y a la loi privée, la loi contractuelle en termes de réglementation d'Internet. Il y a un effet horizontal comme en Allemagne, il y a une doctrine qui implique la loi privée disant que la loi privée est capable d'assumer ce rôle de contrôleur de régulation, de réglementation de ces plateformes, mais et qui va avoir un effet horizontal. Dernier diapo. Quels sont les développements les plus récents dans ce domaine et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir? Il y a une proposition de la part de la Commission européenne de Lisbonne qui suit la directive déjà existante, qui essaie d'harmoniser les systèmes de réglementation avec d'autres aspects, d'autres points de vue pertinents à ce sujet. Donc, je pense que l'acte des services, la loi sur les services numériques, je ne sais pas comment on peut l'harmoniser avec les réglementations du domaine privé.
Après, il y a la question des systèmes nationaux. Après 2018, c'était un pas très important. La vidéoplateforme a obtenu une définition tout à fait neuve. Et le partage de médias, des plateformes de partage de vidéos présente un aspect encore plus compliquant, donc plus complexe. Donc c'est pour cette raison que il y a encore un grand travail à accomplir, à faire à cet égard. L'Allemagne d'autres pays ont déjà beaucoup avancé sur la question des réglementations nationales de ces plateformes, mais je pense que cela renforce plutôt les plateformes et réglemente plutôt l'utilisateur, qui n'est pas l'objectif. Pologne, on a prohibé la réglementation privée qui était en conflit par contre avec l'expression libre, donc ce n'était pas tout à fait réussi non plus. Et mon dernier, mes dernières pensées sur la loi privée, c'est qu'il faut protéger les droits individuels. Donc, je pense que qu'il faut inclure dans la réglementation des plateformes en ligne, justement, le droit privé. Thank you very much, professor. Merci beaucoup, professeur Côté, pour cette intervention. Et maintenant, nous avons vraiment entendu quel est and how they can be regulated. And this issue is certainly looked at as a Pandora's box. Delicate balancing is necessary to find the correct equilibrium between law and ethics in regulation. And we've seen some examples to certain essential state functions, which is treaty terminology, in terms of these media platforms that are, you know, regulated exercised by them in terms of their daily operations. And right now we are switching back to another current hot topic or a buzzword that permeates European debates on the daily basis. I see in our next presenter's lecture title, Rule of Law. And the title is Systematic Legal Theodicy, Cybernetic Totalism Meets the Rule of Law. I have to say, I'm very much curious what these three aspects cover on their own. And this is why I'm going to give the floor now to Professor Christopher Marcoux from Cambridge Center of Business Research, who has done his fair share of research in legal tech and artificial intelligence. So Professor, the floor is yours. Cambridge, Monsieur le Professeur, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais partager mon écran. Donc, je suis Christopher Marcoux. J'aimerais vraiment tout d'abord commencer par le fait que je suis confiant de pouvoir vous voir personnellement à Budapest, la ville que j'aime tant. Donc, je suis professeur à l'Université de Cambridge. J'ai vraiment étudié plusieurs choses, mais ce n'était pas simplement le droit. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de poser des cadres à un contexte plus large. Donc, j'aimerais contextualiser les dimensions diverses et variées. J'aimerais vraiment tout d'abord m'excuser pour mon accent. Je suis normalement canadien, je ne suis pas britannique. Pourquoi je suis là avec vous à cette conférence?
Mes prédécesseurs sont 100% européens. Ce sont mes grands-parents qui ont émigré au Canada après la Seconde Guerre. C'est une des raisons pour laquelle on a toujours été intéressés dans la famille au droit et à la justice. J'ai également publié un livre, notamment sur le fait si le droit peut être défini par des automatismes. Un juge robot, par exemple, c'est aussi un terme qui émerge dans ce livre. Beaucoup d'experts se prononcent dans les domaines technologiques et de droit. Et nous nous posons des questions comme la suivante, qu'est-ce qui se passe si nous mettons, par exemple, la justice sur des plateformes? Tout d'abord, j'aimerais parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. Et tout d'abord, j'aimerais parler des conséquences d'automatisation. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, viole le droit et obtient une sanction? Ça peut paraître de la science-fiction, mais je suis sûre qu'il y a des juristes dans cette salle et ils ont déjà entendu parler de la technologie juridique. En fait, c'est en quelque sorte une abréviation. Il existe un apprentissage artificiel et par des algorithmes, ainsi de suite, cette technologie aiderait les juristes dans les tâches plus administratives. En fait, les jurys juniors aiment bien utiliser ces solutions car grâce à l'intelligence artificielle, certaines tâches peuvent être accomplies, notamment ces jeunes juristes doivent vraiment consacrer beaucoup moins de temps à l'administration. Il existe certains algorithmes prédictifs qui pourraient en quelque sorte prédire le résultat d'une certaine procédure législative. Donc, en fait, il existe des études et il est très, très, très difficile de vraiment voir quantitativement si on est capable de prédire l'avenir. Juste parce que quelqu'un a été bon en quelque chose hier, rien n'assure, ne garantit que la même personne soit aussi bonne le jour suivant dans la même chose. Plusieurs œuvres dans le monde entier ont vu le jour, notamment pour voir si un juge unique peut utiliser ces outils ou si les organes peuvent utiliser les outils. Aux États-Unis, plusieurs études ont été menées. Un diagnostic a été dressé concernant l'efficacité de ces instruments. Aux États-Unis, nous avons alors étudié en ce qui concerne les décisions uniques, à quel point ce système peut être efficace. Nous avons également regardé quantitativement l'analyse des processus judiciaires. Nous sommes très bonnes en analyse historique, mais en fait, ça n'a pas de valeur de diagnostic. C'est-à-dire, on ne sait pas comment on devrait se comporter dans l'avenir. Là, il s'agit d'une équipe états-unienne qui s'est spécialisée dans ce domaine. Ces modèles, dans la majorité des cas, dans la plupart des cas, sont accessibles gratuitement en ligne. Donc, e-learning et l'intelligence artificielle. Ce sont des sujets. Donc, il y a des études qui sont menées alors systématiquement. Les principes, d'abord, sont ceux
de la communication, c'est-à-dire grâce à des données extraites des cas antérieurs et grâce à leurs études, on pourrait atteindre un point où tous les aspects mis en considération par le juge humain puissent l'être également par le juge robot. Et quant à l'Université de Toronto, mon collègue a dit, c'était très surprenant, c'est que si on utilise des méthodes pareilles, cela pourrait donner comme résultat un système plus stable du point de vue normatif. Donc, j'ai commencé à vraiment à me lancer également dans l'étude de ces questions. L'apprentissage par des machines, c'est une question très intéressante. En fait, si quelqu'un commet un acte criminel, il se peut qu'un microchip, une puce, puisse être avec nous. Mais il y a également d'autres aspects à prendre en considération. Il faut prendre en considération plusieurs œuvres. Par exemple, Arani, Homo Deus, c'est une des œuvres importantes. Nous avons vraiment besoin aussi de très grand volume de données afin de se prononcer sur certaines choses. Et voilà aussi un terme très important, les données. Les données qui, dans notre considération actuelle, souvent est considérée comme quelque chose de supra-humain. Souvent, dans le domaine médical, on a aussi tendance à penser que plus on a de données, mieux on connaît le sujet. Quelquefois, ça peut être vrai, en effet, parce qu'on a plus de facilité de se prononcer sur les solutions possibles à l'avenir, grâce notamment à des données historiques. D'ailleurs, pendant les années 60, l'être humain s'est rendu compte que grâce aux puces, eh bien, le stockage des données est devenu beaucoup plus facile. Alors, on voit en quelque sorte une évolution en avant dans ce domaine qui, inévitablement, a entraîné l'augmentation du stockage des données. Alors, là, nous avons une croissance exponentielle concernant l'évolution des puces. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que dans l'avenir, ça va encore augmenter de manière exponentielle, non. Probablement, c'est comme cela qu'on va se présenter, mais peut-être le lendemain, on va découvrir quelque chose et ça va complètement changer. Donc, c'est John Neumann, un Hongrois vivant aux États-Unis, qui en est le responsable, c'est aussi le père de la bombe atomique. Lui, il a dit que la technologie va se développer vers une singularité avec une vitesse que l'être humain ne pourra plus rattraper. C'est cet homme-là qui a créé, qui a mis en place toute la pensée derrière la bombe atomique. Donc, il était parfaitement conscient des conséquences possibles et imaginables. Et là, on revient au droit. J'espère qu'il me reste un peu de temps encore pour dire que c'est complètement incontournable et on ne peut pas éviter cette évolution.
Si nous avons des normes actuelles que nous mettons en place pour réfléchir, bon, ça pourrait être tentant, mais ça ne nous mènerait pas très, très loin. Mais en ce qui concerne les questions juridiques, eh bien, c'est hic et non que là et maintenant qu'on veut résoudre des choses. Dans mes recherches également, il y a également des questions qui se posent, c'est-à-dire quel peut être le rôle anthropologique d'un régime juridique et judiciaire? Comment nous pouvons identifier certains rôles? Est-ce que l'informatique pourra être remplacée par certaines choses? Ou bien est-ce que l'informatique pourra remplacer les hommes? Est-ce que les solutions informatiques pourront remplacer le juge, l'être humain? Soupio, par exemple, qui parle d'une gouvernance avec les chiffres, eh bien, en ce qui me concerne, c'est que je ne pense pas qu'on puisse être si précis. Moi, j'ai étudié de la également de la théologie et des sciences. Moi, je pense que oui, ça, c'est possible. L'intelligence informatique et l'intelligence biologique peuvent se mettre à l'égalité. Et il faut que l'on commence à travailler à ce que nos ordinateurs deviennent plus performants. Gottfried Leibniz au XVIe siècle et Leibniz, eux, ils ont construit des principes mathématiques pour que les juristes puissent prendre des décisions dites précises comme les mathématiciens le font. Alors là, il y a des soins nécessaires à porter envers des décisions. Ainsi, le droit pourrait être en quelque sorte implanté dans un cadre qui est chiffré. Lui, il a dit que tout peut être décrit par les mathématiques dans ce monde. Et de ce point de vue-là, les mathématiques, ça représente tout un langage mathématique qui peut représenter la réalité de manière structurée. Bien évidemment, une des choses les plus importantes est la suivante. Comment nous pouvons transformer le droit en mathématiques pour le rendre prévisible? Notre argumentation ne pourra être soutenue que si des principes mathématiques le rendent précisé, prévisible. C'est-à-dire, les juristes devraient être capables de compter et calculer de manière tout à fait prévisible les résultats. Eh bien, si il y a des juristes et des juges dans cette salle, eh bien, on sait très bien qu'il y a très peu de jugements qui pourraient être pris selon des algorithmes de ce type. Il y a beaucoup d'autres considérations qui entrent en jeu dans une décision juridique et judiciaire. Là, nous avons sur l'écran la citation d'un physicien d'MIT qui nous dit que ce sera un algorithme qui va être capable de prévenir des erreurs dues à la fatigue, par exemple. Les hommes pourront être toujours fatigués, déçus, frustrés, etc. Alors, il faudra que ce soit les machines neutres qui jouent le rôle et alors prennent les décisions à notre place. Et un autre scientifique nous dit que si nous mettons en place un algorithme décisionnel, capable notamment de prendre une décision convaincante avec une argumentation claire, eh bien, il faudra les accepter, c'est-à-dire les ordinateurs pourraient être considérés comme plus intelligents. Est-ce que les professeurs pourraient enseigner un algorithme? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'on devrait rabaisser les normes pour les rapprocher à la logique binaire des outils informatiques?
Et puis aussi, il y a également des questions de mathématiques abstraites et ésotériques. Souvent, il est difficile d'en discuter. Mais ça, c'est une bonne occasion. Là, actuellement, nous avons le championnat de foot. Nous pouvons prendre des exemples tout à fait pratiques, c'est-à-dire comment nous pouvons regarder ce qui se passe avec des connaissances et savoirs purement informatiques. Donc, par exemple, le juge virtuel pendant les matchs de foot. Moi, je n'ai pas suivi le championnat, la Coupe d'Europe comme j'aurais souhaité, mais tout le monde connaît VAR. Nous savons que la FIFA l'utilise, l'UEFA le fait également. Il y a des caméras et des ordinateurs qui sont mobilisés afin d'aider le juge physiquement présent dans le terrain. Et alors, utiliser de la technologie dans le sport, eh bien, oui, en baseball, nous l'avons déjà fait. On pourrait alors également le faire. Si ça marche dans le baseball, on peut l'utiliser dans le foot. Donc, il y avait en quelque sorte aussi une tension au moment de l'introduction de ces outils. Ça veut dire que nous prendrons toujours des décisions justes, c'était ça l'idée de base. Et si nous regardons les expériences internationales, il y en a et pas peu de gens qui n'aiment pas forcément le VAR. Ce qu'on nous a dit, ce n'est plus du foot. Et si quelqu'un est contre, c'est là il faut voir l'esprit de la lettre et la lettre du droit. Donc il y a d'abord des normes historiques qui sont là, mais ce juge n'est pas informatique n'est pas toujours capable de voir exactement ce que le juge physique voit. Et dans le contexte des États-Unis, si on parle de l'activité de la police, qu'on voit qu'avec des profilages, il y a beaucoup de personnes noires qui sont arrêtées. Justement, si on pense que ça pourrait être, par exemple, un algorithme qui ne prendrait pas en considération certains facteurs humains que les êtres humains ne peuvent pas éviter, évidemment, ça donne des réflexions intéressantes. Et je peux juste vite énumérer toutes ces différentes exemples. Par exemple, en Australie, il y a quelqu'un qui a reçu des lettres et qui a en fait, c'était une dystopie numérique qui a été introduite par les Australiens, qui a été un peu condamnée par les Nations Unies aussi. Donc, je pense que, au nom de la santé et le bien-être public, on peut toujours prendre des décisions un peu cassionnées. Et après, il y a la question de ce qui se passe en Chine avec les droits personnels. Et je pense qu'il y a des évidences de la France où les justices de ministère de la Justice ont réussi garder les cours, les tribunaux, juste pour les juristes humains. Donc, ils ont pu un peu éviter d'inviter l'informatique des cours des tribunaux. Donc, je pense que c'est un modèle bien à suivre parce que, à mon avis, peut-être on n'aime pas ce que vous trouvez quand on observe ce processus juridique, si on voit que juste sur les bases informatiques, il n'y a pas forcément les décisions appropriées sur lesquelles on arrive.
En Chine, on a vu comment les contrôles et l'limitation le suivi des citoyens, quelles infractions à la vie privée cela peut produire pour les citoyens. Donc, je pense qu'il est important de prendre en considération nos propres histoires aussi et de tirer les conclusions que nous avons vues que s'il y a un pouvoir, des autorités qui essayent d'exercer le pouvoir en faisant référence à des intentions de contrôle, ça peut mener à des résultats pas forcément aimés ou acceptés par le public. Donc, c'est un bon moment pour conclure ma présentation. Je pense qu'il faut qu'on traite la question de l'intelligence artificielle et son intégration dans nos systèmes juridiques avec une question un peu délicate et avec de réflexion. Et j'espère que dans le futur, nous allons pouvoir quand même arriver à des conclusions qui servent tout le monde. Donc, merci pour votre attention. Thank you very much, Professor Marcoux. Merci, Professeur Marcoux, pour cette présentation sur le totalitarisme de l'espace cyber. Donc, nous sommes un peu à rebours par rapport à notre emploi de temps. Donc, je donne la parole à Monsieur Michel Canarsac, le professeur et doyen de l'Université catholique de Lyon. Il recherche la traduction juridique et j'espère qu'aujourd'hui, il va pouvoir nous traduire des défis spéculatifs ou spéculés que l'Europe fait face. Donc, intelligence artificielle et Europe. La parole est à vous. Thank you very much, Professor Souviakhin. Merci beaucoup. Et en fait, le titre, c'est pas original, je sais, le titre, donc je m'excuse pour ne pas inventer quelque chose de plus intéressant. J'aimerais exprimer ma gratitude à l'Institut du droit comparatif et l'Assemblée nationale hongroise et le ministère de la Justice, justement, pour avoir organisé cette conférence. Comme vous savez, c'est dans les années récentes, l'intelligence artificielle a eu des répercussions dans le domaine de la justice. Donc, on a vu que dans de nombreux secteurs, du point de vue juridique, cette question a retenti un peu la morale. Et la vitesse de cette transformation a un impact sur la réponse réglementaire. Et bien que les experts juridiques et des experts sur l'éthique et étudier cette question de l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. On n'a toujours pas pu trouver le moyen, la réponse à la question comment intégrer, quelles sont les lignes directrices qu'il faut prendre en considération dans cette intention. Dans les mois précédents, plus de nombreux gouvernements et organisations non gouvernementales ont essayé d'étudier ce phénomène. Et pourtant, ce phénomène est vraiment tout au début de son parcours, de voir quels sont l'impact de l'application étendue de l'intelligence artificielle. Les articulations, tout ce qu'on a vu qui parle de l'intelligence internationale souligne les avantages et les apports positifs de cette technologie, comment ça va et rendre plus efficace notre productivité
et en même temps, les lignes directrices se concentrent surtout dans les droits fondamentaux, comment la liberté de l'individu, le droit à l'équitabilité, etc., seront protégés avec l'intégration de cette technologie. Donc, comment ne pas nuire aux droits fondamentaux en employant de l'intelligence artificielle? Il n'existe pas de précédence, il n'y a pas des lois, de la législation existante déjà concernant ce sujet. On essaie de prendre une approche qui favoriserait le développement de la technologie de l'intelligence artificielle et en même temps, cela pourrait soulever des doutes et des questions concernant les droits fondamentaux, les droits humains. Donc, les droits fondamentaux et droits de liberté il est difficile comment on pourrait enfermer ces questions derrière des frontières nationales, donc des réglementations a priori dans le domaine où la technologie doit prendre en considération des points de vue philosophiques ou éthiques. Normalement, il ne se réfère pas uniquement à des conclusions scientifiques, mais au débat public et des parties prenantes du monde des affaires. Et cela exige les gouvernements de trouver la bonne solution qui satisfait chaque partie prenante. Donc, comment les bioéthiques peuvent souligner un côté de la ligne directrice éthique liée à l'intelligence artificielle correspondront pas forcément aux mêmes réflexions sur qui s'appliquent dans le monde de la santé ou médicale ou biologique. Donc, ces nouvelles réalités sont nécessaires pour que les conséquences juridiques du développement de l'intelligence artificielle exige de prendre une approche spéculative et de se concentrer sur des exemples pratiques où l'intelligence artificielle a été employée pour résoudre des questions juridiques. Quand il s'agit des contrats, la loi criminelle, les droits humains, etc., ce sont des domaines où l'application de l'intelligence artificielle devrait être faite avec une considération minutieuse et vigilante et systématique, que les nouvelles règles juridiques, les nouvelles législations ou de lois sont nécessaires pour pouvoir réglementer une telle nouvelle technologie. Comme on a mentionné avant moi, l'avenir de l'application de l'intelligence artificielle dans le monde juridique nécessite l'étude minutieuse des cas, des exemples concrets et réussites. Il y a un exemple où dans des institutions qui s'occupent des personnes âgées, on a introduit une navette automatique qui a donné des tours de ville justement pour les résidents de cet institut pour qu'ils puissent voir un peu le monde, un peu la ville.
mais qui a été fournie d'intelligence artificielle justement pour protéger non seulement les résidents, mais aussi les habitants de la ville pour qu'ils dans des situations risquées. Donc, il y existe des exemples où l'intelligence artificielle peut effectivement contribuer, bénéficier des gens qui l'utilisent. Il faut qu'il y ait un peu plus de conscience par rapport à cette question et il faut qu'il y ait plus d'attention portée par les décideurs envers ces technologies. Donc, il y a un régime de réglementation actuel qui dit donc, qu'il y a un risque qui est d'être toujours pris en considération, c'est-à-dire notamment quand il s'agit de la Commission européenne et qui regarde ces questions, il y a une approche qui se base sur le risque encouru. L'intelligence artificielle, comme vous le savez bien, probablement, applique cette approche basée sur le risque. Donc, la Commission européenne, dans ses nouvelles règles, veut vraiment prendre en considération le risque, notamment le E-risque. Donc, il existe le processus actuel, notamment en ce qui concerne la sécurité des produits, la non-discrimination comme principe, protection des données. La Commission européenne dit que toute intervention de régulateur doit être proportionnelle. Et il y a une approche risque et avantage qui pourra vraiment mener plus loin dans le chemin. Nous avons alors un agenda qui a été dressé et on voit qu'il y a vraiment un développement plus important avec un rythme plus important que le rythme que les décideurs peuvent maintenir au niveau de la réglementation. Alors, en ce qui concerne les réflexions concernant ces technologies, c'était vraiment abstrait. Par exemple, il y a l'étude LOSCO qui dit qu'il y a un écart entre le concept et les résultats actuels. Il y a comme un déficit, un vacuum législatif. Au moins, et ça c'est mon opinion, ça veut dire que les développeurs informatiques doivent mesurer certaines choses. Il faut voir si une solution a un impact négatif sur la démocratie. Il faut prendre en considération s'il n'y a pas d'empreinte portée contre le droit de se réunir. Si nous prenons ce chemin-là, en fait, on va toujours avoir une équation négative en ce qui concerne les droits. Donc, quand il s'agit d'un produit et un service, en fait, ce qui compte, ce n'est pas si c'est bon ou mauvais en tant que tel, mais quel est l'impact apporté sur la vie de l'individu? Est-ce que c'est positif ou négatif? Mais alors, nous devons qu'on trouve également des solutions de compliance en ce qui concerne les produits en question, les produits technologiques. Et oui, l'innovation doit être également prise en considération.
Donc, très souvent, il y a comme un avantage donné aux solutions flexibles en matière de droit. Mais cela veut dire c'est qu'il n'y a pas un montant suffisant de technologies adaptables. Il faut également alors dresser des conditions technologiques. Et on a besoin des experts juridiques et il faut qu'on vraiment puisse être capable de mettre en place une nouvelle échelle, une échelle technologique. Donc, il y a beaucoup plus de besoin aussi d'investissement. Et en fait, comment nous pouvons alors interpréter la révolution industrielle en marche? Nous regardons quelles étaient en fait les conséquences de la première révolution industrielle. Et là aussi, on doit se poser la question à quel point les résultats technologiques façonneront les règles juridiques. Clairement, ce sont des sources de considération pour nous tous. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et si jamais il y a des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le professeur. Et maintenant, nous avons encore entendu parler sur l'intelligence artificielle. Et maintenant, nous allons continuer sur un autre sujet, mais on va quand même, en quelque sorte, s'adapter à cette ligne déjà dressée devant nous. Donc, Christina Stumpf va nous parler du point de vue européen. Donc, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est un peu similaire à ce qui a été fait déjà en 2016 par la commissaire européenne. Christina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être là avec vous, même si ce n'est que virtuellement. Je sais gré à la technologie moi-même. Bien évidemment, c'est également vrai que j'aurais bien plus aimé participer avec vous physiquement, personnellement à cette conférence. Eh bien, alors aujourd'hui, je vais parler des défis lancés par la technologie vers la société et les décideurs politiques. Voilà le sujet de mon intervention. Très souvent, ce sujet, c'est comme un fake news, mais moi, je préfère utiliser le terme de désinformation est plus parlant. La désinformation n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des théories de complot qui le précédaient. Mais dans ce nouveau monde, dans ce monde médiatisé et déplateformisé, eh bien, ces fake news, ces informations fausses se répandent avec une vitesse grande V. On vient d'entendre d'ailleurs que c'est un domaine où nous ne nous posons pas de questions dans un concept, dans un cadre légal et législatif. En ce qui concerne le contenu, ce n'est pas un contenu illégal en tant que tel, car la liberté d'expression est un droit fondamental qui est particulièrement important. Donc, cela doit être également pris en considération quand nous évaluons une information. Néanmoins, la crise COVID nous a montré à quel point cette désinformation peut causer de dégâts dans une société. Bien que la science mette en place de bons vaccins,
eh bien, s'il y a toute cette désinformation et campagne de désinformation, eh bien, beaucoup d'efforts des gouvernements sont minés par cette désinformation. Au niveau de la Commission, nous avons essayé de proposer une solution panacée. Le premier instrument dont j'aimerais parler aujourd'hui, ça c'est l'application pratique de l'information et cette autorégulation que la Commission applique depuis 2018 pour les réseaux sociaux les plus importants comme Facebook, Twitter, etc. Si je réussis à partager mon écran, ça c'est une très grande aide pour moi. Merci. J'ai pensé que ce serait bien de montrer de quoi nous nous occupons et de quoi nous nous occupions dans le passé récent. En 2018, nous avons mis en place un code d'utilisation et au-delà d'un an d'utilisation, la Commission a de nouveau évalué, mesuré les résultats d'utilisation de cet instrument et on a vu qu'il y avait certaines lacunes. Il y a eu des résultats, mais aussi certaines lacunes. La crise de COVID, bien évidemment, s'est également présentée dans notre domaine. Nous avons alors mis en place un domaine afin de pouvoir regarder à quel point le code peut jouer vraiment ce rôle de régulateur. Et de manière de plus intense, nous avons dû réagir de manière beaucoup plus massive en ce qui concerne la désinformation en pleine pandémie. D'ailleurs, la Commission souhaitera mettre en place tout un système de lignes directrices afin d'aider la meilleure utilisation de ce code. En outre, nous avons également entendu l'opinion des États membres. Ainsi, l'année passée, nous avons réussi à publier une ligne directrice de 25 pages, notamment comment nous pouvons renforcer notre code afin que cela puisse devenir un outil efficace contre la désinformation. Donc, l'idée est de renforcer ce code. Ainsi que nous avons un exemple ici d'une approche d'autorégulation, réglementation et de co-réglementation. La loi des services sur les services numériques mentionnée par le professeur Koutaï fournit un instrument très efficace à cet égard et cela nous offre une opportunité de réglementation, de surveillance, de supervision justement pour que les codes de pratique deviennent un instrument qui, s'il prouve être insuffisant pour contrôler le contenu, il y a des autres recours pour pouvoir contrôler la situation. Donc, dans cette réglementation industrielle, nous pouvons ainsi garantir que si les choses ne fonctionnent pas, les plateformes, avec les plateformes, il y a quand même des recours, des étapes, des recours pour garantir le contrôle de ces instances. Permettez-moi de me référer à la crise de COVID de nouveau. La désinformation est toujours a des motivations financières pour ceux qui promuent des contenus de désinformation, des informations fausses. Donc, c'est pour cette raison qu'il est difficile
Donc, il est difficile. Il y a trop de. Il est difficile de réglementer justement ou contrôler justement parce qu'il y a trop d'agents qui y participent. Il y a trop de motivation financière qui fait que des gens ne vont pas arrêter de faire ainsi. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une réglementation qui est capable de couvrir un domaine plus vaste. Ensuite, il y a la question la question de transfrontalité. Parmi les États membres, il y a des contenus en anglais qui sont souvent vérifiés, cela n'est pas le cas avec des langues moins populaires, c'est-à-dire des petites langues comme par exemple le hongrois. Donc, il n'y a pas un fact-checking, il n'y a pas une vérification de contenu ou des faits dans le cas des fausses informations, des infox d'autres langues. Donc, je vais vite maintenant... présenter les outils potentiels qu'on peut utiliser. La première étape, ce n'est pas un outil, c'est plutôt une attente, c'est-à-dire que le code doit non seulement couvrir les GAFAM, les géants de tech, mais des petites entreprises, petites plateformes. J'espère qu'ils vont se joindre et devenir signataires de cet acte, de ce code. Ensuite, il y a des parties prenantes de systèmes en ligne qu'il fallait également inclure dans ces efforts de contrôle et également d'inclure des participants qui pourront faciliter, assister aux activités et à la supervision de ces instances. Et avec cette coopération, nous pouvons véritablement devenir efficaces. Ensuite, il y a la question de démonétisation. L'attente, c'est de démonétiser les pratiques, c'est-à-dire d'introduire des mesures où, par exemple, les annonces, les publicités, par exemple, ne vont pas financer publier des avertissements, des annonces, des publicités, justement, sur des sites qui sont liés à la désinformation. Cela facilite l'existence de telles pages. Avec les publicités en ligne, il y a une grande part de notre travail quelles sont les mesures à prendre et des domaines à réglementer. Après, il est important cette question de publicité est très importante de plusieurs aspects. Nous attendons de ce code justement d'introduire un aspect de transparence puisque ici, je pense que la législation et les actions privées pourraient joindre les forces et unir les forces et travailler ensemble. Le code existant a déjà des engagements à l'égard de cet effort de renforcement de l'intégrité des services contre des comportements manipulatifs. Je pense que vous avez sûrement entendu des exemples que les codes et le nouveau code va également contenir des éléments qui contribue qui aide à éviter, à prévoir que des abus de telle façon. Ensuite, on veut responsabiliser ou autoriser les utilisateurs, c'est-à-dire de leur rendre plus
plus de contrôle de ce qu'ils font. Pendant la crise de COVID, nous avons vu que l'information des autorités de santé peuvent être très utile pour les utilisateurs même. Donc, la possibilité pour les utilisateurs de pouvoir rapporter les contenus non appropriés ou fausses est aussi un outil dont on peut se servir justement pour que le système marche bien et de bien optimiser les ressources. Donc, s'il y a une information fausse qui a été vérifiée par des fact-checkers, il est important de généraliser cette instance, ce phénomène, c'est-à-dire que s'il s'agit, si on identifie un contenu spécifique, peut-être on pourrait ajouter une sorte de certificat, enfin, de signaler, d'indiquer qu'un tel contenu a déjà été sujet de vérification, justement pour que des autres utilisateurs puissent voir. Donc ce n'est pas basé sur de contenu. On ne veut pas être des juges et en disant que voici, c'est nous qui établissons ce qui est bien ou mal, mais c'est vraiment une question de vérification des faits. Après, il y a, en ce qui concerne les données, enfin l'accès aux données des chercheurs, c'est quelque chose sur ces plateformes, c'est prouvé un peu difficile puisque il faut encore améliorer, il faut encore développer cette partie du code. Et en ce qui concerne la vérification des faits, il fallait également éteindre un peu l'éventail des langues qui sont vérifiées, puisque ça doit non seulement être la langue anglaise, mais les petites langues également. Et dernièrement, il va falloir qu'on sache comment ce code fonctionne. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse dire que si le monitoring, si le suivi du code est efficace, donc si on peut établir si le code ne fonctionne pas bien, n'est pas bien appliqué. Vérification par la supervision de la commission. On veut inclure les réglementeurs, des contrôleurs de règlement, justement pour remplir ce rôle de contrôle si le code est bien appliqué et si les plateformes ont bien rempli leurs obligations ou effectué leurs obligations en fonction du code. Un travail de suivi est essentiel justement pour avoir des gens qui puissent monitorer, qui puissent surveiller ou fournir un travail de supervision justement comment les différentes plateformes satisfont les exigences envers eux. On va rendre le code accessible, enfin, on va fournir les grandes plateformes pour qu'ils puissent réviser et voir le code dans la deuxième partie de cette année. Et ensuite, c'est vraiment pas quelque chose qui va fournir une solution de miracle, mais en même temps, je pense que dès que ce code sera mis en vigueur, on va obtenir des résultats concrets et qui vont bénéficier tous les utilisateurs. Et maintenant, nous sommes arrivés à la partie des questions. Juste une question, parce que nous avons un peu perdu notre temps, donc c'est pour cette raison qu'il y a une seule question qu'on peut poser. Il y a une question qui nous est parvenue du public et j'aimerais demander
panélistes concernés par l'intelligence artificielle de bien vouloir répondre. La question est la suivante. Comment l'Union européenne peut garantir c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humanité, mais le complète? Eh bien, la question concerne le terme « remplacer ». Très certainement, l'avenir du travail, le lieu de travail va changer, ça va être méconnaissable. Ce que nous connaissons comme lieu de travail actuellement, ça va être quelque chose de complètement, fondamentalement différent dans l'avenir. Eh bien, il est fort improbable de remplacer les hommes par de l'intelligence artificielle. Ce qui est encore, ce qui est plus important, c'est le contexte dans lequel les hommes et les femmes vont agir dans l'avenir. Il ne faut pas limiter le développement. De toute façon, dans l'histoire, on a vu à plusieurs reprises, tout change et des choses peuvent changer même fondamentalement. Mais tout tombe à sa juste place avec le temps. Monsieur le professeur Marcou, je dois dire que oui, c'est que tout ce que je viens d'entendre reflète extrêmement bien les choses. Je suis très sceptique, je suis déterministe en ce qui concerne l'apport technologique. Je connais cette partie répétitive du monde, c'est-à-dire une grande partie de mes thèses concerne ce que les gens avaient pensé de la radio à l'époque. Et puis, en ce qui concerne l'utilisation juridique, eh bien, les juristes m'avaient dit qu'il fallait réécrire depuis les bases les questions, je pense, que concernant les caméras Kodak ou le droit à la signature. Donc là, c'était dans les années 60 que dans le Yale Review, il y avait un article notamment sur la radio portative qu'il faudrait vraiment l'interdire parce que ça va promouvoir la prostitution car les camionneurs vont l'utiliser. Donc, ce qu'il faut vraiment décider, c'est de savoir si nous devons vraiment dire quoi que ce soit. C'est que moi, je ne pense pas qu'avec le temps, tout se retrouve à sa juste place. Non, parce que ça, c'est juste pour refuser la responsabilité de faire quoi que ce soit là et maintenant. Maintenant, merci. Je ne sais pas si M. Kanasa est là. Moi, je pense que contrairement à ce qu'on a vu auparavant, le secteur économique touché, c'est le secteur des services. Ce qui détermine au niveau des réactions certains aspects, notamment les aspects juridiques. Dans ma présentation,
j'ai dit que par rapport ou contrairement aux révolutions antérieures, c'est l'efficacité, la productivité qui est posée. Alors, la question se pose si les gens seront échangés pour quelque chose d'autre, notamment dans le domaine juridique. Quand on regarde les formations dans les instituts de formation, il faut se poser la question, dans 50 ans, quel va être le travail des juristes? À quel point il va y avoir recours à des choses qui à des choses technologiques. Donc, probablement, on va déléguer beaucoup plus de choses administratives à la technologie et il va nous rester plus de temps précieux au contact humain. Alors, si la machine est capable de faire les choses répétitives, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, parce que cela veut dire que car elles peuvent se focaliser sur des choses plus sophistiquées, y compris les choses plus. Je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, mais il y a en quelque sorte. Il y a une question, en fait, qui se pose. Il y a des abus, souvent, en ce qui concerne nos droits. Dans l'Union européenne, nous sommes encore assez bien lotis. Mais il y a souvent la personnification de certaines choses. Comment les choses se croisent, les opinions se croisent? Si on reçoit 100, 200 emails par jour, ce qui peut nous arriver quasi à tous, je ne suis pas sûre que nous soyons toujours au contrôle. Peut-être c'est le système qui nous objectifie, nous devons d'une certaine manière des objets. Avec mes collègues, en accord avec mes collègues, les juristes ont leur rôle à dire. Has been shifted and provided us with a bird's eye view of the audience. Merci. J'ai vu que la question de numérisation est vraiment une question qui va animer nos discussions dans les semaines et mois et années à venir. Et merci à tous les conférenciers, tous les intervenants. Et vu que nous sommes 20 minutes de retard par rapport à notre agenda, je voudrais juste tout court remercier votre participation.